contre la liberté de la presse, en particulier être journaliste au Moyen-Orient, qu'on organise dans le cadre de ce 3B, puisque c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Et pour cette conférence, donc, j'ai le plaisir d'accueillir comme modérateur Albéric de Louville, qui est à la fois rédacteur en chef de France 24 et également vice-président de la Maison des journalistes, avec qui on a préparé donc, cet événement en partenariat. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous présenter les trois intervenants. On en a un qui s'est perdu en route, donc il a bientôt trouvé son chemin. Je pense qu'il était sur l'autre site de l'Institut des cultures d'Islam. La soirée va se dérouler de la manière suivante. Un premier film, à peu près 20 minutes, un documentaire qui va être projeté. Un deuxième qui lui a été tourné sur le téléphone portable, qui est beaucoup plus court, il me semble. Et puis ensuite, chacun intervenant pourra avoir un témoignage, de son travail au quotidien de journaliste avant de passer la place au débat avec la salle. Je voulais juste vous dire un mot de la saison culturelle dont vous voyez actuellement la carte de l'exposition qui s'appelle Bagdad en amont et qui est sur la réinvention du patrimoine irakien par des artistes modernes et contemporains en posant la question de qu'est-ce que l'art contemporain peut faire face à la destruction du patrimoine moderne et contemporain de l'Irak. Merci beaucoup. Merci d'être si nombreux là, ça les plaît, c'est magnifique, malgré le beau temps. Donc merci beaucoup aussi à l'Institut de culture d'Islam qui nous accueille ce soir pour cette journée mondiale, à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Donc être journaliste au Moyen-Orient, c'est un débat en partenariat donc, avec la Maison des journalistes, dont je suis vice-président, avec aussi France 24 et Monte Carlo Doadia. D'ailleurs, France 24 et Monte Carlo Doadia qui sont partenaires aussi de l'exposition, d'ailleurs, qui est notamment dans cette salle, à l'Institut Bagdad Mon Amour. Alors, les trois intervenants ont tous les trois des liens ce soir avec soit la Maison des journalistes, soit Monte Carlo Doadia, France 24, France Média Monde. France Média Monde qui regroupe France 24, Monte Carlo Doadia et aussi RFI, Radio France Internationale. Je vous dis quelques mots très rapides sur la Maison des journalistes. C'est une structure unique au monde qui est située dans le 15e arrondissement de Paris, rue Cauchy, et qui dispose de 14 chambres depuis 2002 pour accueillir des journalistes réfugiés et deux, voire trois, parmi les résidents ou anciens résidents sont ici ce soir, je vous les présenterai. Et donc, pendant le temps qu'ils se retournent, pendant quelques mois, il y a des chambres qui sont mises à leur disposition. Donc, structure vraiment, vraiment unique au monde. Donc, je vous présente nos invités, Radjia El Tamimi, qui est à ma droite, journaliste d'origine irakienne, vous avez quitté l'Irak en 2007, c'est bien ça, et actuellement vous collaborez à Monte Carlo Doadia, MCD. Alors vous parlez très bien français, vous m'avez discuté pas mal, mais néanmoins, pour exprimer quelquefois ce soir des idées peut-être un petit peu plus complexes, votre mari est là, et qui pourra éventuellement traduire. Alors, les deux autres intervenants sont tous les deux des anciens de la Maison des journalistes, à commencer par Albert Zahad, ici présent, journaliste kurde d'Irak, qui a travaillé jusqu'en août 2010 au Kurdistan irakien, après avoir été menacé plusieurs fois, passé à tabac, notamment en 2002, en 2008. Albert, vous avez choisi l'exil, car vous étiez notamment menacé de mort, vous collaborez aujourd'hui depuis Paris à plusieurs journaux kurdes. Et il arrive exactement au bon moment, Walid Kouaïch, c'est bien cela, hein, Walid Kouaïch, réalisateur irakien, qui s'était perdu, mais voilà, le timing est parfait, dont un des films, Once They Were Here, pardon pour mon accent, une fois ici-bas, avait été sélectionné au Festival de Cannes en 2015. On pourra le voir d'ailleurs ce film tout à l'heure, ce film tourné d'iPhone, mais le film et puis un autre n'avait pas pu aux autorités irakiennes, et voilà, ça a été son film en juillet 2015. Il a reçu en France son statut de réfugié politique en 2016 et la lumière de voilà, et puis pour traduire, alors Mouaret, on parlera anglais ou arabe. Anglais ou français, et bien arabe. Et arabe aussi, bon, bah, alors voilà.
Donc c'est magnifique, anglais, français, arabe. Pour traduire de l'arabe, nous avons un troisième journaliste, encore actuellement à la Maison des Journalistes, journaliste marocain, Samad Aitaouch, c'est bien ça, hein, Aitaïcha, pardon, Samad Aitaïcha, et Samad est journaliste marocain qui attend toujours son statut de réfugié et qui traduira en Ouarek tout à l'heure. Mais si, dans la seconde partie de cette soirée, vous voulez lui poser aussi, alors c'est pas la liberté de la presse au Moyen-Orient, c'est plutôt la grève, mais lui poser des questions à lui également, vous pouvez tout à fait lui poser des questions. Samad est ici dans la salle. Donc voilà pour nos différents intervenants. Mais avant de lancer vraiment le débat et de les entendre, on va voir un film. Un film qui s'appelle, un documentaire qui s'appelle Aya, la rebelle de Raqqa. Ça a été réalisé par Claire Billet et Liana Salé. Alors là encore, il y a vraiment un lien très net entre, un lien évident entre la Maison des Journalistes et France 24, parce que la Aya, l'héroïne, si l'on peut dire, le mot n'est pas mal choisi, mais Aya qui est au centre de ce film, a tourné en Syrie de manière clandestine à Raqqa du temps de l'organisation de l'État islamique. Ensuite, elle s'est exilée en France. Elle a été hébergée pendant quelques mois à la Maison des Journalistes. Et sur son parcours, avec ses images à elle et puis les images qui ont été tournées en France, il y a eu ce documentaire qui a été réalisé par Claire Billet, une ancienne correspondante de France 24, et aussi par Liana Salé, qui est journaliste sur la chaîne arabophone de France 24. Donc là encore, il y a un lien évident. Le documentaire a ensuite été diffusé sur France 24, en arabe bien sûr, en français, en anglais, les trois chaînes de France 24, avant d'être primé au FIDRA, le festival du documentaire au Touquet. Donc le parcours de Aya qui est raconté dans ce film, et avant même de commencer le débat, je vous propose de regarder ce film, Aya, rebelle de Raqqa. This is life in Raqqa, Syria. With a hidden camera recording as she walked, a Syrian woman risked arrest or worse. Sa ville, c'est Raqqa, le bastion de l'organisation de l'État islamique. Nous l'appellerons Razan. À 25 ans, c'est la première fois qu'elle se glisse sous un niqab. Elle déambule dans la ville de Raqqa où les djihadistes font régner leur loi depuis mars dernier. J'ai aussi pris mon petit sac à main. J'y ai découpé un petit cercle là pour placer l'objectif. Et puis j'ai glissé la caméra à l'intérieur. Razan, t'es avec nous? Et شو اللي دفعك لخوض هالمغامرة وهل رأيت إنها مستحق هالرعب كله اللي عشتيه والخطر اللي عشتيه؟ أكيد مستحق. هو كان السبب إنه أطالع صورة المدينة اللي تعتمت إعلامياً. أشوف بيها جواز سفري لأني مضطرة أسلم بعد مقابلة اللجوء بالحالة أكون فقدت آخر وثيقة سورية عندي وصلتي بإيه تاريخي لفرنسا؟ ب 13/10/2019
أول مساءلة تعرضت لها من النظام السوري بالشهر السادس 2011 هي من 2011 لأنه مسكني عنصر أمن وأنا قاعد أوزع مناشير طبعا هذا الشيء كان على كل البنات اللي يعني كل النساء اللي موجودات بالرقة مساءلة من هذا القبيل يعني عنيفة ما كان بي نهائيا بس بالرقة طبعا يعني نحن لو انه انا مثلا بغير محافظة من هذاك الوقت او على الشغلات اللي بعدين اللي سويتها اكيد كان يختلف الوضع لانه بالرقة عندنا هي منطقة عشائرية فما كانوا النظام السوري هو طبعا كان جدا واعي بهذه بمنطقة الرقة انه على الاقل بنات كوني انا بنت عشيرة يعني بنت عشيرة ف انه بنت وبنت عشيره وراحت على انه فاتت فرع امن يعني عندهم سداد يحرقون الدنيا يعني العشائر تماما المعارضين مؤيدين ما عندهم ما يفهمون في الشهر السابع اخر السابع 2013 يعني بيعلم عرفتني من طريقه هاي لغه الجسد تبع انه شلون اغير ايديني واحركها فوصل الخبر لداعش. تهديدات. يعني بعثوا لي صور عالم مقطوع راسهم يقولوا لي رح اصور فيديو نفس الشيء. مناس ونوي ديزيماج بيرسون ديكابيتي. أنا ما بدي أتخلى عن هويتي يعني أنا سورية هو هذا الجواز آخر وثيقة سورية يعني ما بنى عندي إيه لا بيت ولا مكان ولا وثيقة سورية الإنسان يمكن هو العيون وقت حسيت إنه هي ممكن تكون سلاحي هذا الشيء ضعيف لما أنا عديت من عند الحاجز وحاولت إني أعلقهم بعيوني يعني كل ما أعدي من جنب واحد يعني أنظر له هاي النظرة نظرة إنه ممكن إنه أنت بطل أو إنه أنت عجبتني مثلاً أو أنت سيء أو أنت أي شيء ممكن نظرة ضياع هي بده يفهم شنو هاي النظرة فإجباري بده يخلي عينه بعيني لما رحت على الرقة وصورت انه تحول لمكان مهجور قاعدين بي عالم لابسين افغاني ومكحلين جيت انا عديت بالاسود اللي مغطيني لان ماني قدرانه ارفع لحتى اشوف المكان هذا بشكل افضل What is that?
استغفر الله يمكن هذا سفاح شوي لا تؤاخذني لا يبقى على طبعا ما خلص تأمر لا تؤاخذني سامحنا Yeah.
هلا عم بيدفعوا للمعلمين ولا لسه ولا معتمدين على معاشات النظام؟ حزب النظام موقف الفكرة اللي هم قاعدين يستخدمونها داعش، يعني بدهم يبايعوا الدولة، تبايع الدولة ويقبلوا بكل شروطها والعالم بدها تقبل. شوفي هم المستوى اللي يعني النظام اللي ماشيين عليه هو نظام مانو سيئ، بغض النظر انه من هم في النظام عم تكفي صدق الكلمة مانو سيئ، يعني هم قاعد يحاولون يشكلون القاعدة الشعبية تبعهم بهاي الطريقة. معلش الناس، حتى الناس اللي كانوا ضدهم بالبداية مليار بالمية، الحزب اللي شك شوية كفة تتوازن، يعني انه اخي النظام سيء وهذول سيئين بس هذول احسن من النظام. يعني انا ما اقدر اقول للعالم انتم مثلا سيئين ولا انتم بدهم يعيشون العالم. ليش العالم ما تروح؟ طبعا. يعني مو بس ليش، ما عندها حل ثاني. ذكرين صديقي محمد اللي شفتيه باللقطة؟ هو صار بألمانيا وجاي بكره يزورني، إذا حابة تشوفينه. شو هلا شو الأوضاعكم؟ ماشي الحال هلا قاعد أحاول إني شوي أتأقلم على المكان، بس بلشتي لغة؟ أبدا ولا كلمة؟ بونجور بونسوار وداكو حلوة باريس، يعني حلوة بس يعني صعبة الحياة بيها، يعني بدها شغل، بدها واحد يكون مليان يومه لحتى يقدر يعني يستمر بالمليان. عندك تتعلم رقاوي؟ أهلك شلونهم؟ أنا أمي عمت نزلت بالطيارات بيت ما يكسر سلاس كيف شدك سوريا عن جد بدها تسافر صح نفسي لأنه هي أول ساعتين متوعدة بكهرباء أغم عليك وظلمي أوكي تقريبا وجيت من ساعة عرفتي؟ لما رجعت واستلمت على الحي هي اللي جدي ولا لا؟ كثير صعب يعني أصعب من علمك الذاتي، وقت تشوف حدا عم يتعذب قدامك بخصتي كثير بتعذب أكثر، لأنه أنت ما بتعرفي إنه هو عم يتغلب على الألم ولا لا. الحرب هي شيء قاسي بيعمل العالم كلياته وحوش وما بيتحول إلى وحش. يا أخي ليش عم يحكي لي هدول القصص عن جد؟ ما عم يتعذب خلص، صار زمان ما يحكي فيه وما لازم. في فرصة للنسيان. ما رح تقدر. خلاص هاي. يا رب 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 يا
كنت أنا واقفة بمظاهرة الكنيسة وسيارة الداعش واقفة قدامنا قاعد تصور وأنا قاعد أسويها هيك. جينا مندفعين مالنا سائلين، هو ماسك الكاميرا وقاعد يصورني انه اوكي خلصوا بس بالاخر كلكم راح تنسحبون يعني، وهذا صار تماما يعني انه احنا بعد ما خلصت انسحب عبد الاله، جدا مهمة حبايبنا، فلان اعتقل، فلان اختفى، فلان ما عاد نعرف وينه، فلان هرب. شهر عند هدول الجبهة فكرون حالهم إسلاميين، بابا كان هو الحاجة الأمني العسكري وهم وين كانوا؟ بدي طالعوا لي أبوي، إحنا جايين لهون مش عايزين طالعوا بابا. بابا صار شهر عندهم، أنا مش اشتقت له كثير من شهر ما شفته. الفترة الطويلة أو قصيرة أو للأبد ما أعرف إن إحنا انفصلنا عن هذا المكان، يعني اغتصبونا، اغتصبوا حتى ذكرياتنا حتى شيء يعني أنا محرومة منه، بس إنه صورة يعني كنت أتذكر إنه أنا ولا صورة، يعني أنا كنت أتخيل حالي إنه أنا طالعة من هذا الأجر أو حتى أهلي، من أهلي يعني سألت ماما إنه أنت ما جبتي صورة، بابا قالت لي إحنا هربنا من البيت. احنا هربنا ما طلعنا وضبينا هدوم ما خذينا شيء معانا ولا شيء. وانت عبد الله صاغ البشر
Ça fait partie, il y a une fonction de, d'abord de l'héberge des journalistes réfugiés, la maison des journalistes, mais aussi il y a des cours de français, notamment pour Alia, qui ne parlait pas un mot de français. Vous avez pu voir aussi plusieurs plans, alors ça, Algurde et tout Samad et tous ceux qui ont vécu à la maison des journalistes pour en témoigner, plusieurs plans du cimetière, bah oui, des chambres, on voit le cimetière. Alors c'est quelquefois un petit peu difficile, je suppose. Bon, c'est le point faible de la maison des journalistes. C'est vrai que ce cimetière, on n'a pas choisi le lieu, mais ce cimetière, ce n'est pas toujours bien perçu par les résidents. Vous avez pu voir aussi des photos, des scènes tournées dans une exposition photo. C'était Alep sur Alep de Amar Abdrabo, un photographe syrien qui est en France depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, à la Maison des journalistes, on a eu ces dernières années énormément de Syriens. C'est un petit peu à l'image des conflits dans le monde. C'est-à-dire que depuis 2011, alors beaucoup d'Irakiens, d'ailleurs ce soir, ce sont essentiellement des Irakiens qui sont autour de la table, mais il y a eu beaucoup de Syriens. À un moment, il y en avait sur 14 résidents, il y avait 6 Syriens. Parmi ceux qui sont passés ces derniers mois, Karam Al-Masri, notamment un jeune photographe, journaliste qui a vécu pendant 5 ans sous les bombes à Alep et qui finalement, bon, il travaillait pour l'AFP aussi, il a pu sortir et il a été accueilli à la maison des journalistes quand il est sorti. Donc énormément de Syriens, mais ce soir on va plus parler de la situation en Irak. Donc je vais vous donner la parole à chacun pendant, une dizaine de minutes environ chacun, et puis ensuite c'est vous qui pourrez poser des questions dans la salle. On va commencer avec vous, Raïda Dalimi. Donc vous êtes en France depuis 2008. Alors vous avez parlé de la situation en Irak pour les journalistes, et notamment pour les journalistes de femmes sous Saddam Hussein, et ensuite après la chute de Saddam Hussein. En arabe, monsieur n'est pas traduit. C'est plus facile pour moi d'expliquer les idées. كان الإعلام في زمن سلطان حسين هو إعلام دولة، كان قناتين تلفزيون وأربع صحف، هي تابعة لوزارة الإعلام في زمن سلطان حسين. Je travaillais comme journaliste en Irak sous le régime de Saddam Hussein pendant des années, et j'ai commencé dans une revue qui s'appelle Elba depuis 1989. Et il n'y avait pas de journaux indépendants, c'était tous des journaux de régime. Il y avait seulement deux chaînes de télévision et une revue centralisée. Quatre journaux et un magazine et deux chaînes de télévision contrôlées par l'État. الصحفيين لم يكونوا أحرار فيما يكتبون، كان محدد عليهم ماذا يكتبون، لم يكن بإمكاننا أن نتناول القضايا السياسية، هذه محرمة، كان عندنا هامش محدود من الحرية اللي تقتصر على المواضيع الاجتماعية والاقتصادية وما يخص الطفولة والمرأة وهكذا. On n'était pas libre de ce qu'on dit, de ce qu'on écrit. Notre liberté est très restreinte. On était condamné de traiter des sujets permis par le régime.
le sujet tabou, la politique, était absolument interdit. On parlait de l'enfance, on parlait d'autres choses, des choses sociales, mais on est absolument interdit de toucher la politique et d'exprimer librement notre opinion. المرأة الصحفية كانت أكثر تعرض للمضايقات بسبب العادات والتقاليد في المجتمع أضافة إلى نظرة المسؤولين في الدوائر وكانت تتعرض لكثير من المضايقات وكان نادرا نجد امرأة تأخذ مجال الصحافة يعني من الصعوبة ولغاية اليوم بالحال. Donc la situation de journaliste femme est extrêmement difficile et complètement liée à la situation sociale et aux coutumes tribales. Et le gouvernement elle-même ne regarde pas de bon oeil une femme qui travaille comme journaliste. Donc il y a double difficulté de côté du régime, de l'autre côté de la société, qui restreint le champ de mouvement et d'expression d'une femme journaliste en Irak. كنا عندما نلتقي بالدوائر بأشخاص ونقوم بتحقيقات ومسؤولين كنا نتعرض إلى مضايقات تحرش جنسي ألفاظ نابية يعني نبادر سبيبو فام جورناليست. Quand on fait notre travail en tant que femme journaliste, on fréquente des institutions, rencontre des gens, on était toujours objet d'une agression ou harcèlement sexuel ou verbal. Donc, ils ne nous voyaient pas très très bien en tant que femmes journalistes. Donc, ce n'était pas très facile pour nous de travailler dans ces conditions. Pour ça, la quantité de la femme qui travaille comme journaliste en Irak, elle est limitée. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui exercent ce métier. C'est très difficile en Irak. Jusqu'à maintenant, ça الرسك كان صعب سكنتني بعد الحصار كانت أصعب فترة على الصحفيين هي فترة الحصار على العراق من عام 90 إلى عام 2003 كانت هذه الفترة اقتصاديا صعبة على جميع الشعب العراقي وبالذات الصحفيين كثير من الصحفيين هم هربوا من العراق بسبب الخوف وبسبب الجوع وبسبب الاحتياج المادي بعض الصحفيين اللي كانوا ينتقدون الوضع يحاولون أن يخرجون من إطار الدولة تعرضوا للقتل والتغييب والصحفي لذلك كان رقيب داخل كل صحفي يمنع أنه ينتقد أو يعني حتى لو ما كان أكو رقابة من الدولة كان أكو رقيب داخل كل صحفي يمنع عن La période la plus difficile pour le journaliste en général, les journalistes femmes, c'était la période de l'embargo, où on manquait de tout. Et donc, c'était une période où on ne peut pas exprimer, on a dans le besoin. Il y a des gens qui ont été obligés de vendre leurs biens, leurs livres, et il y en a parmi eux qui ont réussi à fuir l'Irak. Donc, c'était risqué et extrêmement restreint. كان اللي يتعاقب له ما يتعاقب بالوحدة فقط إنما جميع العائلة هي تعاقب معه اللي يحاول أن يخرج عن إطار الدولة أو عن إطار النظام الديكتاتوري. C'est lui qui sort de cadre de régime dictatorial ou le défi, il est puni, mais pas seulement lui, il est puni lui et sa famille. Donc déjà c'est une menace sur tous les membres de la famille et ça dissuade. La rébellion ou être anti-régime. Donc ça a été très très difficile à vivre et à supporter. Après 2003, après l'invasion américaine de l'Irak, nous pensions qu'il y aurait un changement plus important, qu'il y aurait une liberté pour les journalistes, qu'il y aurait une liberté pour les femmes, qu'il y aurait une liberté dans tous les domaines. Mais l'inverse qui s'est passé, c'est que كان نظام واحد ديكتاتوري بعد الحرب صار عدة أنظمة عدة رؤوس تقود البلد الميليشيات القاعدة الداعش العادات القبيلة فكل جهة هي تحاول توجه المجتمع بالاتجاه اللي يناسبها. Après le changement en 2003, donc après l'invasion américaine, on souhaitait rêver d'un changement, de
des libertés, de la reconstruction, mais ce qui est arrivé est tout à fait le contraire. Avant, on avait une seule dictature, maintenant on a des centaines de dictatures, représentées par des milices, par Daesh, par Al-Qaïda, par le tribu, en fait. Et chacun constitue un pôle de pouvoir. Surtout donc, le gouvernement n'a pas changé les lois. Reste la même loi qui le dictateur qui le met avant. Donc les mêmes lois. Les mêmes lois. Les lois qui, étaient, qui a régi. Pour les journalistes. Oui. Ensuite. فيما يخص المرأة أصبح هناك عدة منظمات للصحافة عدة منظمات دافعة عن حقوق المرأة لكن كل هذه المنظمات هي تعيش حالة الخوف لأن حتى الصحفي هو عاش حالة الخوف وصارت هناك فوضى صحفية أصبح لدينا 70 قناة تلفزيونية عشرات الجرائد عشرات المواقع الانترنت لكن كل هذه هي مجرد فوضى إعلامية فوضى بالحرية بفهم الحرية الصحفي بقى ذاك الرقيب بداخله ما يعرف كيف يستغل هذه الحرية وانقاد إلى مصالحه الشخصية في بعض الصحفيين أتحدث عن بعض الصحفيين أو انقاد الدافع الخوف إلى أن يسالف بعض الميليشيات أو يسالف بعض رجال الدين أو يسالف بعض العشائر. En fait, c'est pas tout noir, il y a quelques aspects positifs. Il y avait des organisations de défense des droits de l'homme, de défense des droits des journalistes qui ont été constituées, mais malgré ça, ils avaient tous peur des réactions du gouvernement ou des milices. Donc, les journalistes, en fait, étaient alignés et alliés à des hommes forts qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir, qui ont des hommes armés. Et donc un journaliste n'a pas compris quelle est la limite de sa liberté. Donc la liberté est transformée en désordre. Il y a maintenant plusieurs chaînes de télévision, satellites, 70 à peu près et même plus, plusieurs, des dizaines de journaux. Mais tout ça, ça reflète en fait un désordre médiatique. Ce n'est pas tout à fait positif, ni organisé, ni profité ou profitable. C'est tout à fait... chaos médiatique. Ah. Alors, à titre personnel, en 2008, vous avez quitté l'Irak. Pourquoi? Vous avez été menacé? Vous avez été... En fait, j'ai quitté l'Irak en 2006, après le début de la guerre civile. Mon meilleur ami, qui s'appelle Akbar Bajet, est appuyé à Samarra par Al-Qaïda. Après, mon frère, dans cette période, j'arrive pas à exercer mon métier. On a une menace très difficile. J'avais une petite fille, ma fille, j'ai perdu tout. Mon mari, sans menacer mon mari, elle était journaliste dans le ministère de la Culture. Pour ça, j'ai quitté l'Irak, j'ai décidé de quitter l'Irak et je suis allée en Syrie. J'ai vécu en Syrie 2 ans. Mais en Syrie, je n'ai pas le droit d'exercer le métier. Dans le cas de séjour, marqué, je n'ai pas le droit de travailler. C'est entre 2006 et 2008, donc avant le début de la révolution et de la guerre en Syrie. Exact, exact. Après, je quittais la Syrie pour la France aussi. Mais je reste en contact avec l'Irak, c'est mon pays, bien sûr, avec mes amis, mais je travaille comme correspondant dans un journal irakien. J'envoyais, en fait, c'est un journal qui vient du gouvernement irakien, le Chevrolet Al-Alam Iraqi. Le résumé média irakien centralisé. Chaque fois, j'envoie un article ou un sujet, je trouve que le publier n'est pas le même. Mais vous continuez à exercer le métier de journaliste Oui, bien sûr. À Paris.
Oui. Non, je pose la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes réfugiés qui, pour vivre tout simplement, sont obligés de changer de métier. En fait, j'ai pris mes études ici en France, je travaillais, je étudiais la communication interculturelle. Après, je fais un stage à la Monte Carlo. Radio Monte Carlo, c'est une chaîne arabe, radio arabe. Français. Monte Carlo Doualia, oui. Maintenant, je travaille à Monte Carlo. Mm. Après le stage, je m'engage pour travailler pour la radio. Monte Carlo Doualia, c'est l'équivalent de RFI, mais oui, en arabe. Mais les femmes irakiennes, jusqu'à maintenant, elles luttent contre, contre tout, contre sa liberté, sa... contre la discrimination pour sa liberté et pour sa place réelle dans la société. Même les journalistes irakiens, que ce soit en France, ou ويضمنوا لها حماية كي تكون تأخذ دورها بالمجتمع لكن الصحفيات الآن أكو منهم قد انقتلوا بالمعارك أكو منهم تعرضوا لاعتداءات جنسية لكن هم يخافون يتحدثون عن ما يتعرضوا له من اعتداءات جنسية واعتداءات داخل الوظيفة لأن هم ممنوعين من العائلة ومن العشيرة ومن القانون. Il y a un forum de défendre, un forum des femmes irakiennes et des femmes de médias en Irak qui défendait les droits des femmes et qui demandait à établir des lois pour la protection des femmes, la protection des métiers des femmes des journalistes. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a pas mal de collègues femmes journalistes qui ont été tuées sur le champ de bataille ou a été violées par... par des gens, elles ont peur de dire la vérité parce que c'est un tabou aussi. Elles sont doublement victimes. D'abord, la société ne permet pas à une femme de dire qu'elle a été violée. Et en plus, voilà, et la loi ne la protège pas et la société ne la protège pas. Donc, ils sont victimes de leur métier. Ils vont travailler, mais ils sont mal vus, donc violés, souvent violés par les hommes qui les accompagnent. Bien, merci beaucoup. Je vous interromps pour qu'on puisse donner la parole à Mie et puis on reviendra bien sûr avec toutes les questions. Et bravo pour le français, parce que vous avez traduit l'essentiel, mais c'était parfait quand vous avez parlé en français directement. Oui, alors on reste en Irak. Il faut dire qu'il y a eu, il y a quelques semaines à peine, le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Sur la thématique de cette rencontre, de ce débat ce soir, être journaliste au Moyen-Orient, c'est vraiment pas brillant pour les pays du Proche et du Moyen-Orient. Le pays le mieux classé, c'est le Liban, qui arrive en 100e position sur 180. Cela dit, la France n'est que 33e, hein, pour relativiser. L'Irak n'arrive qu'en 160e position sur 180, juste devant l'Égypte, 161e, la Libye, 162, puis la Syrie est complètement tout en bas du classement, 177 sur 180, juste pire que la Syrie, il y a l'Érythrée et la Corée du Nord, ben, 180 sur 180, mais là il n'y a pas de journaliste du tout en Corée du Nord. Bon, 160 sur 180, effectivement, on avait eu un aperçu avec ce que vous avez... Effectivement, ce dont vous avez témoigné, la situation des journalistes en Irak est extrêmement difficile. Elle est difficile aussi au Kurdistan irakien, parce que ça, on l'oublie aussi, mais ce n'est pas non plus une démocratie. Loin de là, le Kurdistan irakien, Al-Nur Samad, donc vous avez été même à un moment d'ailleurs un des seuls journalistes qui restait à Erbil avant de décider, devant les menaces, les pressions, de quitter, de vous exiler. Oui. Merci Almeric. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Al-Nur Samad, je suis journaliste kurde de la région du Kurdistan irakien, donc de nord de l'Irak. Le Kurdistan irakien a un cas un peu spécial. Le statut, c'est un peu spécial parce que depuis 1900, Saddam Hussein a quitté
la région. Donc, il y avait un grand soulèvement de peuple kurde dans la région, de à peu près 5 millions. À l'époque, c'était 4 millions à peu près, là, 5 millions et demi de population. Et Saddam Hussein a décidé de quitter la région. On a créé notre propre gouvernement régional et notre propre parlement régional de Kurdistan irakien. Il y avait la première élection en 1991, donc un an après le soulèvement. Sur le sujet de journalisme en Kurdistan irakien, en fait, c'est vrai qu'au niveau de sécurité, la région de Kurdistan est mieux sécurisée que le reste d'Irak. Mais pour les journalistes, c'est presque la même histoire. Depuis 2003, en Irak en général, donc après la chute de Saddam Hussein, 231 journalistes ont été tués, selon les statistiques de RSF, de Reporters sans frontières. Et l'Irak, comme Alberic a dit, c'est le 160e pays de la liberté de classement de la liberté de la presse parmi 180 pays dans le monde. Il y a beaucoup de violations. Il y avait des assassinats les années dernières, les années passées. En fait, au début, après le soulèvement du Kurdistan irakien et après la création du gouvernement, il y avait quelques assassinats des journalistes indépendants, des écrivains, des poètes. Donc des dizaines de poètes et des journalistes, des intellectuels ont été tués parce qu'ils ont critiqué le gouvernement régional de Kurdistan irakien et les partis politiques notamment, parce que le gouvernement est contrôlé par les partis politiques. Donc il y a, jusqu'à aujourd'hui, il y a deux partis politiques qui ont contrôlé le gouvernement, le Parti démocrate du Kurdistan et le Parti patriotique du Kurdistan irakien. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Donc tous les intellectuels et tous les journalistes qui ont critiqué librement le gouvernement et les partis politiques, soit ont été menacés, soit ont été obligés de quitter le pays, soit malheureusement ont été assassinés. Et cette année, juste depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a 139 violations contre les journalistes. Contre les 74 journalistes. Donc il y avait des journalistes qui ont reçu beaucoup de menaces, beaucoup d'agressions. Il y avait 14 agressions physiques très graves. Il y avait 64 empêchements pendant le travail des journalistes. Et aussi il y avait 6 menaces de mort seulement dans la région de Kurdistan. Ces statistiques, en fait, c'est les statistiques de Metro Center. C'est une association qui défend les journalistes au Kurdistan irakien. Et parmi les journalistes qu'on était... En fait, la première vague des assassinats, c'était depuis 91 jusqu'à 2008. Et 2008 jusqu'à aujourd'hui, c'était une autre vague. En fait, il y avait un moment, une époque de... On peut dire que ça se calmait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de journaux indépendants. Parce qu'en fait, depuis 1994 jusqu'à 2000-2001, il y avait la guerre civile entre les deux partis. Donc, ils ont divisé le Kurdistan irakien en deux. Il y avait deux gouvernements régionaux et deux parlements régionaux, sans élection, bien évidemment. Mais après, il y avait la réunification de la région de Kurdistan en 2002, donc un an avant la chute de Saddam Hussein. Mais la deuxième vague des assassinats, en fait, après la réunification, on a créé beaucoup de médias indépendants, libres. Et la deuxième vague des assassinats des journalistes a commencé par un journaliste qui était un ami très très proche à moi, qui s'appelait Sorama Mohammed. On a travaillé dans le même magazine qui s'appelait Levin Magazine. Malheureusement, il a été tué devant sa maison en 2008 à Kirkuk. Il était éditeur dans notre magazine, en fait. Et le deuxième assassinat, c'était un ami à moi aussi, malheureusement. Il a été tué
à Erbil, dans la capitale du Kurdistan irakien. Il a été enlevé le 3, en fait, c'est l'anniversaire de. On rend hommage dans deux jours. En fait, il a été enlevé le 3 mai et on a trouvé son corps à Mossoul le 5 mai 2010, donc quelques mois avant que je sorte. Et moi personnellement, en fait, j'ai reçu beaucoup de menaces de 2005 jusqu'à 2010. En fait, j'ai commencé le journalisme, j'ai commencé le journalisme en 2002. L'âge très très jeune, en fait, j'avais que 18 ans. J'ai eu mon premier contrat professionnel dans un journal. Et puis, de 2005, je suis devenu le membre éditorial de magazine, de Levin Magazine, qui est un magazine très très connu au Kurdistan irakien, un hebdomadaire d'infos politiques et culturelles. Et puis, j'ai été obligé en fait de sortir après une autre vague de menaces après l'assassinat de Sardaj Osman en 2010. Et j'ai été contacté par plusieurs associations parce que les menaces, on a publié dans les journaux, dans les médias. Concrètement, les menaces, c'était quoi? C'était plutôt les menaces de mort, en fait, parce qu'on a. On avait critiqué le gouvernement. Et j'étais le seul journaliste indépendant, en fait. Pas le seul, mais il y avait des autres journalistes. Mais le seul journaliste de Levin Magazine qui était vraiment contre le gouvernement. Comme il était comme opposition du gouvernement. Mais critiqué dans des éditoriaux ou des enquêtes sur la corruption? Non, c'est plutôt les enquêtes. Les enquêtes journalistiques. Mais le gouvernement, il nous a traités comme ennemis. Ennemis du gouvernement et des partis politiques. Et puis, il y avait plusieurs menaces de mort, plutôt par texto. Et j'étais obligé, en fait, de quitter sur la demande de RSF. Donc, je suis allé en Turquie pour demander le visa français en 2010, en mois d'août 2010. Et après un mois, j'ai eu le visa. Je suis venu en France le 22 septembre 2010. Et puis après, il y avait des autres assassinats en 2013 et 2016. Deux autres journalistes ont été assassinés. En 2013, Kawa Germiani a été assassiné devant sa maison aussi. Donc c'est presque la même histoire de le premier journaliste en 2008 qui a été assassiné à Khartoum devant sa maison. Et puis, en 2016, un autre journaliste à Dobok, c'est une ville tout au nord, à côté de la frontière de Turquie, qui s'appelait Wadar Hussein. Il a été assassiné, il a été enlevé en fait le même jour où on a trouvé son corps sur une autoroute de Dobok. Et malgré tout ça, le gouvernement, il ne laisse pas l'espace libre pour les journalistes. Donc il a créé les autres médias, en fait, qu'on appelle. Il y a le média officiel du gouvernement, il y a le média officiel des partis politiques, mais il y a des autres médias qui travaillent sous le nom des médias indépendants, mais ils ne sont pas indépendants, quand ils ont besoin des médias. C'est pour convaincre le peuple qu'ils sont indépendants. Et travaille sous le nom des médias indépendants. Mais on s'appelle en fait les médias de l'ombre, soit les pétromédias, parce que le gouvernement et les partis politiques financent les médias, ces médias. Pourquoi pétromédias? C'est un terme en fait qu'on utilise, parce que le budget général, le budget d'État, il vient de pétrole, ils font du pétrole, sinon il n'y a pas d'autres sources, et financent les médias. Donc, ces médias aussi, ils sont contre nous, contre les journalistes indépendants. Et puis, les syndicats et les associations, sauf une association que j'ai citée, en fait, les statistiques, qui s'appelle le Metro Center. Tous les autres syndicats journalistiques, en fait, il y a un syndicat journalistique
a été contrôlé par le gouvernement, notamment les partis en pouvoir. Donc ils ne défendent pas les journalistes. C'est seulement, il existe, mais comme il n'existe pas, ils ne défendent rien. Seulement, en fait, les associations internationales, ils défendent les journalistes kurdes et irakiens, mais même en Irak, je crois que c'est la même histoire, il n'y a pas des associations indépendantes qui défendent les journalistes. À moins qu'il y ait quelque chose encore. Oui, il y a. En fait, sur la justice, comme je vous ai dit, il y avait plusieurs assassinats, mais la justice n'a rien dit parce que la justice aussi, il est corrompu et il est sous contrôle des partis politiques. Donc la justice aussi n'existe pas. Malgré tout ça, il y a une loi qui a été sortie en 2008 du Parlement du Kurdistan irakien. Cette loi, en fait, il y a des bons mots, il est très très bien, mais on n'applique pas parce que la loi a dit que le journaliste ne doit pas être arrêté par le gouvernement ou emprisonné, mais il n'applique pas parce qu'il y a des trous dans cette loi. Le gouvernement il peut dire, par exemple, ce journaliste il a insulté les gens, les autorités, et on peut l'emprisonner parce qu'il y a un autre article dans la loi pénale irakienne, on peut l'appliquer. Donc il y a des trous dans cette loi aussi. Voilà. Merci, Amir. D'ailleurs, je vois que tu avais noté au bas de la page le nom de Bakir Azad. Je voudrais en parler aussi parce qu'il y a eu effectivement tous ceux que les journalistes au Kurdistan irakien ou en Irak qui sont menacés, qui ont été tués. Il y a ceux aussi qui sont morts à cause de la guerre, tout simplement ceux qui ont sauté sur une mine en l'occurrence. C'était le cas le 19 juin 2017 de Bakir Adad, journaliste kurde, kurde irakien, qui est mort avec Stéphane Villeneuve et Véronique Robert. Alors on a beaucoup parlé au moment de sa mort d'un fixeur. C'est important ça dans le métier de journaliste. C'est vrai que les journalistes étrangers qui arrivent comme ça sur un terrain de guerre comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Afghanistan, qui ne parlent pas la langue la plupart du temps, ils sont obligés de travailler avec ce qu'on appelle des fixeurs. Mais les fixeurs, ce sont très souvent des journalistes eux-mêmes, des journalistes locaux. Et l'histoire de Bakir Adad, elle est assez exemplaire et tragique. Bakir Adad, lui-même, s'était exilé et il avait vécu pendant plusieurs mois à la maison des journalistes lui-même. Et il avait recommencé à travailler, cette fois-ci, comme fixeur pour des journalistes occidentaux, des journalistes français. Et il était parti, je crois que c'était pour envoyé spécial, faire un reportage sur la bataille de Mossoul. Et c'est là qu'il est mort en sautant sur une mine. Donc voilà, c'était important de le citer lui aussi. Notre troisième intervenant, Ouares Kouaïch, donc journaliste irakien également, réalisateur, surtout réalisateur de films. Donc un de vos films a été, on le verra tout à l'heure d'ailleurs, présenté au Festival de Cannes, ce qui vous a valu d'ailleurs de pouvoir retourner dans votre pays. Alors, je sais que Samad, qui était là, le journaliste marocain, est parti, mais il y a un de vos amis, one of your friends, vous parlez anglais plutôt. Anglais. I think there's a problem if I talk in English here. No. Great. So there's no problem in this country. Je dis, with the English. Est-ce qu'il y en a qui veulent la traduction quand même? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent? There is anyone have a problem with English? No. Okay. So no. French people, they are kind with English. Why they say they always they don't understand English? There is one. I want to. Good chance to, sorry, break. We make our workshops that I'm proud we made it finally, that I worked 4 years to bring a group of youth filmmakers from Iraq to Paris with the support of the European Independent Film Festival
and support of Hotel de Ville. And here we are. Here they are. 8 youth Iraqi filmmakers today in Paris to have full master classes of cinema, and then they will back to Iraq to make short films. Thank you very much to have this. Simply, I'm Warth Kouyesh. I born in Baghdad, Iraq. First, I take my decision to make films to explain to the world our stories, because what I believe that my mother, my family, my father, me, my society have a lot of stories. Someone need to talk about that. So I will talk about my story, my mother's story, my family story, and this, it's my society stories. I came to Paris in 2014, 2015, something like this. And to be honest, I didn't run away from Iraq. Like, I have a very good life in Baghdad. That's why I called my company Bastille Tehran Film. Bastille, see, it's Bastille, you know Bastille. And Tehran, it's the main place in Baghdad. It's very important. A place, it's Tehran. So I try to build that bridge, because me, myself, I cannot get out from there. Until now, I live here, but I'm still there. I make my films about Baghdad. I work with many production companies in Baghdad to help them to make films about Iraq. So I ran away because of one reason. I get out of Baghdad to make my dream, and my dream, and this is what I said in Oprah. And I want to say thanks for Maison du Journaliste. It's helped me a lot in the beginning when I came here to Paris. I said in Oprah, like, I am, no one will kill me in Iraq. Like, I know militia very well, and I know the government very well, so no one will kill me. My films will kill me, because I cannot make films. Like, the films that I want to make it, like, once they were here, you will watch it. I make it with my iPhone, because it's not possible to shoot. And when I was believed it will be change on Iraq. Now I don't think it will change. This will be for many years again. So when I was younger than now, I was have a really big dream to make some change on Iraq. I made these films. This film, once they were here. Now I make films to change my family, to change myself at least. Society, we talked about 20, 40 years, it's so difficult because people, I don't know how to say it, but it's difficult to change something in Iraq now with this myth. What American did in Baghdad, what American did in Iraq, they bring the freedom without any reason. We don't need the freedom. We don't need Saddam, we need freedom, but they bring it in the wrong way, very wrong way. And the way they bring it to Baghdad, to Iraq, it's messy until now because of the American. So, yes, I came here in 2015, then I asked to be a refugee, then I get it fast, 1-2 months. I get it, then I get the carte de séjour. Here we go, and then it's begin. No place, no money, no nothing, nowhere to go. Then I fight to go in the domain du cinéma. I work with Le Film Grand du Sac. We make films for Arte, we make for many other channels, and now we work on a big project with Monsieur Jawad Bshara. It's about the Mesopotamia in Iraq. It's to talk about all the Mesopotamia in Iraq and what's happened. Why Daesh, ISIS destroyed our heritage. That heritage, I believe, that we are coming from. And you, if you just turn around, you will see this. It's our heritage. When they was talk about, I was look on this tower. It's Babel Tower, and
I believe that we are beginning from, like, we are being like strong, and then we will reach the top. And the top is nothing. Where we are going, I don't know. Yes, the rich is nothing. We will reach nothing. So during the films that I made, my friends helped me to make the Iraqi filmmakers. We have a good. I'm proud to say that we have a good films from Iraq. Like I don't think many of you know that we reach like long list for Oscar. We reach Cannes. We reach many film festivals that with our stories that we want to people to listen to us. People to know what is the truth, people to know what is reality in Iraq. There is life in Iraq and there is no life in Iraq. And this is what is Iraq now. Yes. Okay, thank you very much. Thank you. Merci. For the film, sorry. Yes, for the film, you will watch it. This film, I made it 4 years ago. And yes, that's why I made it with an iPhone, because it's not possible to shoot during the demonstrations that I was believe it will change something. But it's gone. Once they were here. Once they were here in Arabic, it's Kanu Yomwana. Une fois ici bas, le titre ouais. Français qui a été présenté à Cannes, dans quel cadre It's a short film corner. A short film corner. In the corner of short film corner and it was in many film festivals in the world, like, yeah, let's watch it. Alors, on va regarder le film, et pendant qu'on prépare, qu'on lance le film, je vous dis juste, effectivement, tous les témoignages, tous autour de la table, ont eu leur statut de réfugié assez rapidement. Wamed le disait, c'est un mois ou deux, ça a été très rapide, je crois que pour vous, c'était rapide aussi. 4 mois, voilà, ce qui est assez court. Et alors. Non, mais, my card is yours, it came after 1 year. Non, mais plus globalement, quand même, les journalistes qui viennent, qui arrivent à la maison des journalistes, mais pas que seulement ceux qui arrivent à la maison des journalistes, qui viennent de pays en guerre comme la Syrie, comme l'Afghanistan, comme l'Irak, ils ont leur statut auprès de l'OFPRA, leur statut de réfugié très facilement, beaucoup plus rapidement que des journalistes qui viennent de Turquie ou du Maroc, par exemple. Pays avec lesquels la France a des relations diplomatiques meilleures qu'avec la Syrie, par exemple. Et on a deux journalistes marocains, dont Samad, qui a dû partir, qui est depuis plus d'un an à faire des demandes et des demandes et des demandes à l'OFPRA, et qui n'a toujours pas son statut de réfugié. On a deux journalistes turcs qui sont à la maison des journalistes depuis un an, ils viennent tout juste de l'avoir. Donc c'est extrêmement compliqué, notamment pour les Marocains, pour les Turcs, pour les pays qui ne sont pas en guerre, et avec lesquels la France a des bonnes relations diplomatiques, beaucoup plus difficiles qu'avec les Syriens ou les Irakiens. من زمان يروح دوك اتذكره اي حبيبي عندي
يلا انت راك في شنطه في شنطه لا لا يلا روح اكيد اذا ماكو تليفونات هناك ماكو بالتسعه جوا النصر في شنطه حيدر يلا باي باي السلام عليكم سامح تحضر يلا في كم خمسه كروات والله يا ابو كروات خمسه وتروح ما ترجع الخوف من الوجوه اللي يعني اكو عالم نفس المظاهره يعني تشوف وجهه ما مظاهر يعني كان تحسه مدفوع بس اعتقد انه يعني هذا العراق بصوره عامه الكل شخص كل فرد كل طفل بالعراق بداخله صرخه بداخله اعتراض بداخله رفض بس ساكن انا خاف اطلع من ظهره انا اتمنى اطلع من ظهره
بس ما أتمنى الموت. يجوز اعاند اهلي واطلع، مو قضيه عناد بس قضيه انه اريد اكون جزء من هذا الشيء. انا دا احاول اشوف القضيه من الجانبين، انه مثلا الحكومه بس سوري اقدر اشوفها بس من جانبنا احنا اللي دري الحياه افضل مني، لان من حقنا. انت تعرف انه انا كل اصدقائي اللي احكي وياهم عندهم حلم الهجره، ماكو ولا واحد بالعراق يريد يبقى بالعراق، ماكو. كلنا نريد، لا انا ما اريد اطلع، انا اريد ابقى. الواد العجيب قال اريد ابن، قال اريد ملابس، اريد ابن واحد من العالم من الحسين. ليش عندهم ليش؟ ابراهيم يا حرام، من يهمك؟ احنا نريد نجيبك، نجيبك على اي وطن، نجيبك للشعب، نجيبك للجيش، نجيبك للشرطه، عندك تهدوني، احنا نريد الحراك، نريد عامل، كان مع الانتماء، كان مع الانتماء كل ركن، ابوها تنوح. كان في مدينة والله ما عليك.